Il est incontestable que la première incursion de la saga Zelda dans l'ère de la 3D a marqué l'industrie du jeu vidéo au fer rouge. Cette cartouche Nintendo 64 tient presque du miracle et imposera un nouveau standard au genre action-aventure. Alors oui, Ocarina of Time est un très bon jeu, un titre excellentissime, mais... Comparé à Zelda et Link to the Past, la plaine d'Hyrule est assez vide. Les grottes secrètes sont pour la plupart minuscules, contrairement à celles vues dans l'épisode Super Nintendo ou dans Link's Awakening sur Game Boy. La chouette semble toujours monter sur ressort. Les Gorons, qui font ici leur première apparition, sont super pénibles, et en plus, ils se prennent parfois pour Sangoku. J'invoque tous les éléments de la nature. Les grandes fées, les bidinos en diable, semblent avoir envie de se faire farfouiller la frisée au lardon. Les différentes populations exhibent d'une manière générale un design particulier. Oh yeah. Par contre, faut reconnaître, les auras, ils sont super classe. Classe, mais quand le roi Zora se déplace sur son derge pour nous laisser passer, on a le temps de se mater la version longue de la trilogie du Seigneur des Anneaux en DVD. Par moment, quand Link apprend des trucs, il nous fait une grosse tête de débile. Et quand il est adulte, il a un nez à piquer des gaufres. Limite, c'est une arme blanche. Et ce foutu temple de l'eau, labyrinthique à l'extrême et qui nécessite de changer régulièrement de bottes via le menu des équipements. Enfin, il y a Navi, un poil envahissante. Les battus à plate couture par Faye qui vous accompagne dans Zelda Skyward Sword sur Wii. Bref, malgré toutes ces remarques, Ocarina of Time n'en reste pas moins un jeu extraordinaire. Et puis, on peut être sexy et afficher quelques imperfections, n'est-ce pas ?